Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, c'est mieux comme ça. Je me présente donc Michel Roche au sein de l'entité International Business Development chez Bull et en charge, je dirais, des offres de certaines offres, les offres de décommissionnement d'applications, d'ILM, tout ce qui est gestion du cycle de vie des documents. Et puis j'ai aussi des missions sur des dossiers d'avant transverse au business line chez nous. Voilà. Donc un mot aussi pour remercier Pascal et Frédéric pour leur invitation à fêter ces 10 ans d'Adulact. Hein. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que le partenariat Adulact Bull part en fait d'un constat que nous avons, qui est en fait nous apprécions chez Adulact leur capacité, je dirais, dans un monde. Je dirais, dans une offre plutôt qui a trait aux ILM, notamment aux dossiers d'archivage, mais pas seulement aux SAE, donc aux dossiers aussi de paraffeurs, aux dossiers de tiers de télétransmission, qui sont des dossiers assez techniques, c'est leur approche métier que nous apprécions. En fait, au travers des divers groupes de travail que lance l'association Adulact, ça leur permet, je crois, d'être très près des besoins métiers des clients, et c'est en ce sens que je dirais... On apprécie ce partenaire parce qu'il a, outre cet aspect technique aussi, cet aspect métier qui est important dans ces dossiers-là. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu comme mes collègues, vous dire quelques mots de Bull, parler aussi un petit peu de notre vision du marché et de la prospective en ce qui nous concerne. Alors, pour présenter Bull, on va laisser de côté un peu tous les chiffres, mais... Comment aujourd'hui on aperçoit le monde qui est en mutation autour de nous, on en a déjà parlé un peu ce matin. Et bien en fait c'est une révolution numérique, qui se développe suivant quatre axes importants. Notre vision c'est que le premier axe c'est l'explosion des besoins de calcul. En fait je crois qu'une étude a été faite récemment. Précise qu'en termes de données transitant sur le net, on parle de zettabytes, c'est-à-dire de grosso modo 10 puissance 21, hein, on est dans les milliers de milliards de milliards d'octets, hein, en 2010, et on en prévoit presque 40 en 2020. Donc explosion des données, explosion aussi des puissances de calcul, donc on se dirige vers de l'exaflop, hein, donc c'est là aussi une forte puissance de 10, c'est 10 puissance 18, hein, c'est des opérations... en virgule flottante par seconde, donc des calculateurs pour exploiter ces données. Le deuxième point, ça nous semble important, parce que ça va avoir un impact sur le marché fort, notamment pour tous les éditeurs de logiciels et toutes les solutions qui devront en tenir compte, c'est l'explosion et la transition vers le as a services. Hein, donc on a parlé tout à l'heure de ce qu'était le cloud computing, donc ça regroupe toutes les couches de l'IAS en passant par l'infrastructure as a services, le PAS, le SaaS, voire même le Données as a Services, et donc l'explosion de ces transitions, c'est-à-dire des logiciels qui permettent d'aborder ces fonctions-là. Et là aussi, je dirais, les problématiques de cloud computing et de business process outsourcing, hein, pour répondre à une massification des infrastructures. Donc ça, c'est un deuxième pôle important. Le troisième, c'est le développement important de l'informatique métier, hein, tout ce qui est numérisation des processus métiers, de plus en plus, avec une forte croissance. Et le quatrième, c'est la consumérisation. Alors c'est un mot barbare qui regroupe simplement le fait que les collaborateurs de nos sociétés, par exemple, disposent de bon nombre d'outils connectés. Hein, alors on parle de, je crois que c'est l'économiste Intelligence Unit qui parle dans une étude de 50 milliards d'objets connectés en 2020. Aujourd'hui, pour ordre de grandeur, en 2010, je crois que c'est de l'ordre de 1 milliard. Et ne rentre pas dans ces objets connectés tout ce qui est téléphone portable. Hein, donc une explosion de cette consumérisation et de ce qu'on appelle le M2M, le machine-to-machine. En gros, votre voiture tombe en panne, vous avez un accident par exemple, votre voiture va elle-même prévenir les secours et va elle-même adresser ces sujets-là. Ou votre frigidaire vous avertit par un SMS que vous devez remettre tel et tel aliment. Hein, donc le machine-to-machine qui va exploser aussi sur ces sujets. Et donc depuis la centrale numérique, le métier un petit peu infrastructure, vers... je dirais, le métier de l'Internet des objets. Alors, Bull a fêté, on est un peu plus âgé qu'Adulact, nos 80 ans, hein, et à ce titre, je dirais, on a suivi un peu toutes ces révolutions,
Et j'ouvre une parenthèse pour vous préciser qu'au stand que nous avons à côté, vous pouvez, pour ceux que ça intéresse, il y a un magnifique livre avec pas mal d'illustrations intéressantes sur la vie de Bull depuis 1931 à 2011, date de notre anniversaire des 80 ans. Alors Bull en un mot, simplement, on a une organisation très simple, je la décris rapidement, 4 business lines qui sont worldwide. Donc 4 business lines, une première, l'innovative product. Donc en fait là on touche vraiment tout ce qui est l'offre produit de Bull à haute valeur ajoutée. Alors on trouve dans cette business line toutes les offres notamment de HPC, tout ce qui est high performance computing et la machine de guerre Bull X qui aborde justement les puissances de calcul dont on parlait. Mais aussi une machine un peu plus modeste qui est, c'est pas la Formule 1 mais c'est hérité de la technologie du Bull X, c'est le Bullion. Qui équipe pas mal de nos solutions. Donc notamment, voilà, c'est ce genre de choses. Et Bull, est, ça c'est peut-être pas suffisamment, mais dépose beaucoup de brevets sur ces sujets. Et cette machine, par exemple, la machine Bull X, son alimentation en porte froide réfrigérée par de l'eau, c'est un brevet Bull. Computing Solutions, c'est le métier autour des infrastructures. Donc c'est tout ce qui est conseil. Sur les aspects cloud, c'est accompagner nos clients dans la migration vers le cloud, et puis je dirais tout l'outsourcing, le cloud computing. Donc le métier d'infrastructure, la business intégration solution, c'est une business line qui traite là, on parlait d'informatique métier, c'est, là se trouvent toutes les offres de BI, de développement, les offres de conseil, c'est le métier société de service quelque part. Qui porte toute l'expertise sectorielle aussi, métier, et les développements d'applications critiques. Et enfin, une business line importante, c'est toutes les solutions de sécurité. Où la Bull a une approche à la fois service, mais on est aussi éditeur de solutions de sécurité et intégrateur de ces solutions. Bon, après, je vais passer rapidement, c'est simplement les business lines qui sont des fonctions groupe, où on retrouve les fonctions un petit peu classiques, la stratégie marketing, tout ce qui est business développement au niveau international, les RH et la finance juridique. Alors, juste quelques chiffres. Bull en chiffres, c'est un des points importants, c'est qu'on est la seule structure européenne, 100% européenne, qui combine à la fois cette expertise sur les infrastructures jusqu'aux applications critiques. Donc ça, c'est un point très fort pour les solutions qu'on met en œuvre, parce qu'on maîtrise depuis les infrastructures aux solutions des applications critiques. Bon, une stratégie d'architecte de solutions sur mesure et des expertises métiers. Et ce que je précisais tout à l'heure au travers de cette business line sécurité, tout ça avec une expertise forte en sécurité. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, on trouve beaucoup de grands SS2I, de systémiers, mais des gens qui maîtrisent tous les maillons de cette chaîne-là, c'est important pour les solutions clients. Bon, les chiffres, je vais passer, ils sont à votre disposition. Alors notre métier dans le monde des collectivités, alors notre métier c'est d'accompagner les collectivités dans toute leur transformation. Alors en fait figure ici, je dirais, cet accompagnement peut-être historiquement sur tous les aspects points d'accès, je dis historiquement parce que depuis longtemps, au travers de certaines offres et solutions, Bull a proposé tout ce qui est téléservice, dématérialisation, téléservices, tout ce qui est CRM et dématérialisation des marchés. Puis aussi, avec tout ça, tout ce qu'on appelle le cycle de vie du document, l'offre ILM, l'information de lifecycle management, qui recouvre grosso modo le triptyque dématérialisation, on peut aller jusqu'au process métier, l'AGED, l'archivage courant, et puis je dirais l'archivage intermédiaire et définitif. Alors là, j'ai figuré, d'ailleurs, je me suis permis de figurer des expertises autour de l'e-paraffeur d'Adulact et d'Azalae. Les solutions métiers, alors quand je dis qu'il est important sur ces dossiers-là et sur ces solutions de maîtriser les métiers, je dirais on a chez Bull une entité qui traite, une entité à peu près de 50 personnes, je crois, qui traite de ce qui est finance publique, qui s'appelle Coriolis, très présente dans le marché des collectivités, et ainsi que Cyrus, qui adresse toutes les aides sociales. Cyrus,
nous a rejoint en 2008 et avec avec la solution Genesis, on aborde tout ce qui est gestion des aides sociales. Bon, et puis après, des solutions de transport, RH, la partie UNT qui est très importante, et tout ce qui est PPM, les Project Portfolio Management. Et enfin, la gestion de la donnée, je crois que ça fait l'objet d'une table ronde pour ce qui est l'open data. Alors c'est des sujets sur le stand, pour ceux qui voudraient un petit peu savoir comment on aborde ces sujets-là, il y a des démonstrations sur ces sujets, hein, elles sont à votre disposition. Donc le MDM, le Master Data Management, ce qui est pilotage décisionnel, le BI et le SIG, et enfin l'open data. Et un point important, c'est que tout ce cycle de vie du document, avec ces problématiques de gestion de documents, il est nécessaire parfois de disposer d'outils puissants pour pouvoir rechercher l'information. Et donc ces outils, c'est l'intelligence économique. Alors, c'est tout ce qui touche un petit peu au renseignement et je dirais à la recherche d'informations rapides. Et puis les problématiques de fraude. Donc je passe parce qu'on me fait signe d'aller un peu plus vite. Bull et l'open source. Alors j'ai commencé par ce slide-là, ça peut étonner, sur l'open source parce que c'est méconnu. Ça, c'est la machine de guerre dont je parlais, notamment pour une des références importantes qu'on a eues récemment. C'est le Bullix qui a été installé au Japon, à Rokkasho, pour l'institut en fait, de fusion d'énergie, le centre de calcul de fusion d'énergie nucléaire. C'est toutes les études pour garder la fusion et tous les calculs importants qui sont nécessaires pour pouvoir... Que les chercheurs regardent ces sujets-là. Et donc, en fait, ce système-là de 1,5 pétaflop, ce qui est moins connu, c'est que c'est un système qui a de nombreux composants open source. Hein, donc 85% d'open source, et l'un des plus puissants calculateurs au monde. Alors, dans les études régulières ou les classements, on apparaît toujours en très très bonne position, parce que c'est vraiment un calculateur performant. Voilà, on vient sur des sujets plus classiques, je dirais, à savoir sur les parties open source. Alors depuis longtemps, je vais aller vite là aussi, Bull est présent dans ces sujets open source. OW2, anciennement Object Web, avec France Télécom et l'INRIA. On a parlé ce matin, Michel Marie parlait de la partie concernant Numergy OpenStack. Donc ma réponse est que ces sujets se mettent en place. C'est vrai que c'est les sujets dont on parle dans la roadmap, mais bon, c'est trop tôt à la fois pour communiquer sur ces sujets-là et puis pour avoir pour vous en dire plus. Compatible WAN aussi pour alors OpenStack, hein, ça a été dit ce matin, c'est pour tout ce qui est cloud IaaS, hein, infrastructure as a services. Compatible WAN, je passe sur la NovaForge aussi. Alors c'est l'atelier de développement, je dirais avec tous les outils de collaboration, d'intégration, de développement, tous les outils open source mis en place pour développer des applications. Donc la NovaForge de Bull. Libre-cité pour la problématique portail d'accès. Et puis enfin, une offre open source qui, il y a quelques temps déjà, on a décliné pour les aspects développement, pour les aspects support, l'industrialisation de ces briques open source. Hein, ça permet aux clients d'avoir une vision un peu industrielle de ces briques. Le libre-échange, c'est le portage de solutions vers l'open source. Et l'intégration de solutions open source. Le cycle de vie du document, hein, qui est une offre importante, hein, au niveau des collectivités, c'est la partie acquisition, donc tout ce qui est, acquisition semi-structurée ou non structurée, c'est-à-dire c'est la partie dématérialisation, hein, donc les téléservices avec des aspects multicanal. La GED, alors il y a des acteurs de GED en open source qui sont sur nos solutions. Et la partie système d'archivage électronique, on parlait d'Azalea tout à l'heure, donc avec la partie électronique, archivage électronique intermédiaire et définitif. Et autour de ça, se greffent les offres, j'en ai mis quelques-unes, hein, de stockage. Bull a une offre très forte en infrastructure de stockage. L'open data, on est en train d'aborder ces sujets, je vous en dirai plus sur le stand de façon intéressante. Les moteurs de recherche, j'en ai parlé, et ce qui est portail. Alors, les points distinctifs du groupe Bull, bon, simplement pour qu'on puisse retenir un petit peu notre image de marque, c'est ce métier de Bull sur l'intégration, l'édition et la construction, l'expertise open source, les applicatifs métiers, l'aspect storage, hein, donc cette infrastructure de stockage,
des fortes solutions sécurité, l'intelligence économique et le cloud by Bull, ce dont on parlait. Et puis une expertise réglementation qui est très importante pour tous ces projets d'archivage qui passent par le juridique, qui sont organisationnels et qui passent par le juridique. Alors, sur la partie prospective, j'ai voulu mentionner deux points. Le premier, c'est une offre AAS. Alors, on l'a appelé comme ça, Archiving as a Services. En gros, c'est une offre, je dirais, d'archivage électronique en mode SaaS. Alors, il faut savoir que très récemment, avec la solution Azalae d'Adulact, on a obtenu l'agrément du CIAF après une procédure de quelques mois, un dépôt de dossier, visite de site pour héberger les données publiques de l'État, en fait, du secteur public, hein, pour être tiers-archiveur des données publiques, et nous avons eu cet agrément pour l'archivage intermédiaire, bien évidemment, puisque le définitif ne concerne pas les structures du privé, pour une durée de 3 ans, à partir de cette offre Azalae. Donc le CIAF, après visite de nos sites, et puis vérification que les données publiques sont bien sécurisées et permettent de donner cet agrément à Bull. Je crois qu'on est au jour d'aujourd'hui 6 ou 7 sociétés, en dehors de l'archivage papier, mais en archivage électronique, à être agréé auprès du CIAF. Voilà, donc ça c'est un point, c'est une offre sur laquelle, je dirais, on a de plus en plus de demandes, parce que cette mutation vers le cloud, notamment pour l'archivage, on la voit tous les jours. Et le dernier point, on en a parlé ce matin avec l'Inagora, sur un des lots de ce marché. Alors nous aussi, c'est récent, ça date aussi, non pas de ce matin, mais c'est très très récent. On vient d'être retenu pour un de ces lots, du marché UGAP, pour un catalogue de services, et ce lot adresse toute la partie dématérialisation, mais plus globalement le cycle de vie du document, c'est-à-dire que la dématérialisation, numérisation, acquisition, la partie jet d'archivage courante et la partie archivage. Alors c'est un marché cadre mono-attributaire sur toute la France, hein, d'une durée de 4 ans, avec un montant important, que nous avons gagné avec notre partenaire Inops. Alors Inops est prime sur ce marché, Bull a 70% de ce marché-là, et Inops, c'est, je ne vais pas le décrire aujourd'hui, mais c'est une société qui a un réseau d'expertise, et au titre de la 45.3, qui est une clause juridique du secteur public, permet d'adresser un réseau d'experts, et dans ce réseau d'experts, on a situé 4, 5, 6 sociétés, je crois, dont Adulact Projet, pour pouvoir adresser sur toute la France certaines demandes bien particulières sur certains domaines de compétences et expertise. Donc voilà, on a ce marché-là, qui est un marché cadre, couverture nationale, réseau d'expertise, des méthodologies spécifiques à l'ILM, hein, à la démagée d'archivage, et qui permet une réduction des délais, puisque on peut passer donc en dehors du mécanisme des appels d'offres, des prix compétitifs, donc des prix pour les UO qui sont déjà adressés vis-à-vis de l'UGAP, et un catalogue d'unités d'œuvres que je vous laisse découvrir. En fait, ce catalogue adresse toute la partie études amont, études de solutions, préconisation de solutions d'archivage, études de plusieurs produits de dématérialisation. Il y a un ensemble d'études amont, et puis aussi de la mise en place, de la réalisation de solutions d'archivage, mise en œuvre, assez écrite deux fois, je crois que ça doit être de dématérialisation, là. Et des UO d'accompagnement, parce que ces projets nécessitent beaucoup d'accompagnement. Je ne sais plus qui l'a dit ce matin, quand on en parlait. Ces produits nécessitent un fort accompagnement, puisqu'on touche les process métiers, on touche l'organisationnel. Voilà, Merci. Je suis dans les temps. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres... Presque dans les temps. Je vous remercie en tout cas de votre attention.